Et salut tout le monde, c'est Kabouza50 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo découverte sur Payday 2. Et oui, j'ai acheté encore un nouveau jeu parce qu'il est en promo sur Steam, il était à moins 20%, donc le jeu de base coûte 30 € alors je l'ai pour 24. Donc voilà, j'avais déjà remarqué depuis un petit bout de temps parce que le trailer était vraiment pas mal et puis il y a pas mal de youtubeurs qui ont fait des vidéos dessus et voilà, j'avais bien accroché. Donc bon, écoutez, moi peut-être se lancer dessus. Mais alors j'avais joué un peu au premier, il s'appelait Payday the Heist, je crois. Ouais, bon voilà, bref. Donc voilà, alors je vais un peu vous expliquer ce que c'est. En fait, c'est comme ça. Enfin, on peut jouer seul et en multi. Alors, ça se joue à 4 en multi. Oui, c'est bien ça. Ouais, un peu comme en Left 4 Dead. En fait, vous faites des braquages. Voilà, c'est en coopération, bien sûr. Donc voilà, vous faites des braquages un peu variés. C'est très intéressant. Donc là, on est dans le menu. Alors, j'ai pas vraiment beaucoup joué. J'ai fait deux braquages, voir si par là. Enfin, et ça, j'ai un peu merdé en fait, on a tué beaucoup de flics. Bon bref, en principe voilà, je pense qu'il faut tuer le moins de flics possible, faire un peu plus en douceur. Enfin bon, après chacun à sa manière. Voilà. Bon là on est dans le menu. Alors là on est à l'inventaire, donc bon pour l'instant j'ai pas débloqué grand chose, hein. Je suis niveau 4 comme vous voyez. Ouais, j'ai débloqué quelques compétences. Voilà. Alors on va commencer à faire un petit braquage en offline. Pour voilà, comme ça moi je vais pas être bien embêté par les autres. Ok. Donc là, on est dans la carte, on peut prendre choisir un braquage, je crois. Ouais. Hop. On va prendre un truc grand. Voilà, donc là on choisit, donc très difficile. Voilà, je prends un normal, je pense. Donc, bon, je sais pas trop ce que c'est, ça premier jour, deuxième jour, bon bref. Alors on va prendre celui-là, il n'y a pas beaucoup de risques. Et en plus. Alors, voilà. Oh putain, il va la fermer sa gueule. Ah voilà. En plus en anglais. Attends, non, il y a les sous-titres, mais bon, bref. Alors, Vlad veut que Monsieur Stone paye pour sa protection pour montrer qu'il ne plaisante pas. D'accord, faut détruire le centre et qu'on... Ok. Donc voilà, apparemment les missions, c'est pas que voler de l'argent et tout, il y a autre chose aussi. Donc là, vu que je suis en solo, je vais jouer avec les bots. Hein. Bon, comme je vous ai dit, il vaut mieux jouer à 4, hein, ce que je vais faire d'ailleurs. Je pense que si d'ailleurs si vous êtes intéressé, ajoutez-moi, enfin envoyez-moi un message si vous voulez faire des parties. Ou faire des vidéos aussi, tiens. Je sais pas, je verrai. Alors, voilà, vous avez entendu là, non, pas. Yep, you heard him right. Vlad is serious. We're going to the mall, we destroy as much as we can. D'accord. Enough destruction, and this client will rethink his whole stance on protection money. Dirty job. But you like getting dirty, right? Donc là j'ai mon équipement, donc c'est vraiment un truc de base, hein. J'ai encore des mines, bon ça va. Alors, prêt! Ok, donc en fait on va aller dans un centre et détruire tout, et il faut éviter de tuer les civils, ça c'est très important apparemment. Alors voilà, là, on commence là, voilà. Donc avant, donc le braquage commence quand on enfile le masque, comme vous voyez, hein, où il y a marqué H pour enfiler le masque. Donc là on est en mode inspection, et puis voilà, on observe un peu. Donc là le but c'est faire des dégâts, faut rien, pas prendre de l'argent, donc c'est ça va, je savais pas qu'il y avait des trucs comme ça aussi. Ok, donc là c'est mes deux copains, Wolf et Chance. Je crois qu'il y en a un troisième aussi normalement, mais bizarre. Ok, les escalators qui marchent pas, vachement utile. Ils ont pu mettre des escaliers, ça aurait été la même chose. Hein. Donc voilà, faut détruire le plus de trucs possible. Donc voilà, si on veut on peut, visiter pour voir comment procéder, mais bon, vu qu'il n'y a pas tellement d'argent à voler, on va un peu bourrer. Alors voilà, faut... Donc si s'il donne l'alarme ou s'il y a des civils qui appellent les flics, donc c'est le bordel, alors on va éviter, mais bon. Allez hop, on va commencer. Donc voilà, en principe. Attendez, j'ai pas mis les... Putain, mais les sous-titres. Vidéo, excusez-moi. Si, ils y sont. Bon, voilà. Oui, je voulais... Là, vous voyez un peu ce qu'il y a. Ouais, donc difficulté normale, pas de risque, donc ça va être assez simple je pense. Allez, c'est parti. Bon, ok. Donc là on peut... Ok, donc là c'est une civile, normalement si on la... Ouais, attendez, normalement je peux l'attacher. Non merde, c'est pas ça. Ah. Down. Ah voilà. Putain. On peut lui mettre les menottes pour pas qu'il bouge. Ah oui, donc on va prendre des otages. Si y a les flics qui arrivent, je pense qu'on va pouvoir faire levier après, enfin faire négocier. Putain. Allez. On the ground now. Donc là, il y a que c'est pas. Putain mais. Ah oui d'accord, faut d'abord faire F. Oui, je connais pas du tout le truc.
Voilà. Donc on va mettre une petite mine devant. Au moins, si le flic arrive, ça va exploser. Voilà. Voilà, c'est bon. Get down on the ground. On the ground, all of you. Escape point. Put them up. Putain, merde, y'a beaucoup de monde là. Oh merde. Oui, je vous ai dit ça. Bon, allez. On va détruire des trucs, allez hop. Donc voilà, c'est un peu parti en couille, excusez-moi. Enfin, pour l'instant. Bon, allez, mais ouais, mes copiers ils sont un peu cons. Je sais pas ce qu'ils foutent. Voilà, la police a détecté des tirs. Donc voilà, la police va arriver. Et ça va être la merde. Enfin, la merde. Voilà, donc je crois qu'il faut tout détruire apparemment, ou je sais pas, trop ce qu'il faut détruire. Oui, j'ai jamais fait cette mission, hein, vu que j'ai commencé il y a longtemps. Ouais. Ok, je casse les bouteilles de vin. Trop cool. Oui, donc je pense que ceux qu'on tire en premier, c'était les agents de sécurité. Merde, oui, y a pas de tir allié quand on est. Enfin, je crois pas qu'il y ait de tir allié quand. Ouais, je sais pas. Bon, hein, faut que casser les vitres. Hein. Bon, enfin, les flics, donc faut. Voilà, donc, les civils, ils font rien. Hein. Donc, voilà, faut pas les tuer. Donc, parfois, y a des gardes, faut. Oh, c'est quoi ça? Oh putain, j'ai plus de balles, fais chier. Donc hop, voilà. Donc là j'ai plus de munitions, donc c'est la merde. Donc j'ai plus de munitions sur le fusil d'assaut. Ah, une voiture, c'est cool ça. Attendez, j'ai une idée pour faire du dégât. Hop. Voilà. Ah, voilà. Falcolgini, ok, là, le vieux plagiat de la Lamborghini. Bon, enfin bref. Donc les flics, ouais, voilà, ouais, je crois qu'ils nous... Ah oui, on peut casser le toit aussi. Bon, je vais faire ça dès le début, c'est plus simple. Ah ça, ils arrivent les flics, voilà. Oh putain. Donc là vous voyez qu'en haut il est marqué assaut de policier en cours, donc bon ils envoient le SWAT, donc c'est un peu la merde. Hop, on peut récupérer des munitions sur les cadavres, donc ça c'est cool. On peut aussi se balancer des munitions quand on a la compétence. Parce que, donc là je l'ai pas mis mais bon. Voilà. Ah, ils arrivent les flics. Ouh. Donc c'est bon, j'ai assez fait de dégâts apparemment. Donc là faut qu'on attende l'hélicoptère. Voilà, donc c'était... Excusez-moi si c'est un peu le bordel, si vous m'entendez pas, mais bon, ça tire dans tous les sens. Au moins vous aurez compris un peu comment ça marche. Alors l'hélicoptère, je sais pas où il va arriver, sur le toit je pense, logiquement. Bon, c'est vraiment violenté là. Bon, c'est pas... Oui, c'est pas tellement dur quand même. Putain, voilà, allez. Alors ouais, alors en bas à droite, là vous voyez, il y a ma vie, donc il y a mon bouclier. Donc en blanc c'est le bouclier, le vert c'est la vie. Donc là pour l'instant ça, je suis bon. Je vois pas si me... Ah, je vois, je peux rien faire à mon pistolet. Hein. Ah non, mais faut aller sur le toit, par là-bas je pense. Ah, j'ai pas cassé ce magasin, tiens. Voilà, putain, j'ai buté le lac. Oh, ah, j'ai un peu de mission là. Oh là là, ça va être la merde, je pense. Ok, oui, bon, c'est vraiment con, comme vous voyez. Le mec tire sur le mur, quoi. Ouais, ok. Bon, écoute.
écoutez, là, je suis un peu dans la merde, j'ai vraiment plus de munitions, mais vraiment plus mieux. Vous voyez que faut vraiment. Faut pas trop faire le bourrin quand même, parce que. Putain. Ah, et voilà. Ah, on va aller un peu bourrin. Non, non, non! Oh putain, gavage. Je vais un peu donner des coups de crosse avec eux, heureusement. Oh, j'ai un peu fait le con là, mais bon. Bon, j'ai pris une mission, c'est cool. Bon, quand est-ce qu'il arrive son putain de chopper là? Voilà. Hop là. Ça y est, oh je l'entends. Oh, enfin, pas trop tôt. Ah, ça va, il me reste deux chargeurs de M16. Putain. Ah putain, oh là, je vais tuer le civil là. Ah bah, dégage. Il est con aussi, il reste là. Hein. Ah, ok, oui, il est au-dessus là. Donc bon, hop, on va y aller. Oh putain, merde. Ah merde, putain. Oh, oh c'est pas grave. Voilà, donc ça va, vous voyez, c'est assez facile celui-là. Alors, par contre, voilà, donc à la fin de chaque mission, on nous donne un peu de l'argent qu'on a touché. Par contre, le compte offshore, je sais pas trop ce que c'est. Et j'ai passé mon niveau, ouais. Voilà. Donc, c'était une vidéo découverte. Moi, même je connais un peu les bases, mais je connais vraiment pas tout quand même. Ouais, donc voilà, à la fin de chaque mission, je choisis aussi une carte. C'est un peu. Après, on a un bonus, donc là. C'est à la gauche. Ah, révélé dans 1. Ah, de l'argent. Ah, c'est cool ça. Combien? Ah, 20 000 $ quand même. Et ça fait plaisir. Donc voilà, c'était assez court. Bon, après, on retourne au menu, voilà. Donc on peut personnaliser son perso un peu, on peut changer de masque, après on peut son costume aussi, ou son armure, je sais plus. Donc voilà, ouais. Ou son masque surtout. Donc ça c'est le masque de base, hein, que tout le monde a normalement. Alors je vais mettre une petite compétence dans quoi la qui précède là. Voilà, après on peut mettre fond. Donc cerveau c'est celui qui fait tout. Ah oui, donc le sac médical, ça va être cool. Donc j'ai plus de points, je crois, non? Non, j'ai plus de points. Bon, et voilà, après on peut aller dans l'inventaire aussi. J'ai combien d'argent? Oula, 85 000! Donc je vais pouvoir m'acheter une nouvelle arme, je pense. Voilà, donc là on peut s'acheter une nouvelle arme. Shimano 88, ou voilà, cross kill. Hop, je vais acheter celui-là. Comme ça, moi, nouvelle arme. Ah, oh, j'ai reçu un succès! Vous voulez le reçu avec? Ok, lol. Ah, j'ai changé de flingue, donc ça c'était cool. Alors, ensuite, on peut le custom. Hop, je vais vous montrer. Enfin, je sais plus si j'ai l'argent, du coup. Ouais, on peut acheter ça, mais j'ai plus d'argent. Ouais, je vais tout dépenser. Bon, c'est pas grave. Oui, là, on peut prendre l'équipement qu'on veut. Donc, SME, donc ça, c'est le contre-mesure. Hein. D'accord. Ok, donc ça, c'est pour le sac médical. C'est cool. Donc, je vais garder les mines. Non, les munitions, tiens, je vais prendre. J'en avais besoin tout à l'heure là. Donc voilà, le masque là on peut les changer. Donc je sais pas comment on fait pour les débloquer. Bon, non, je pense qu'on. Oui, d'accord, faut les trouver. Après, on a la planque aussi. Donc je vais vous montrer ce que c'est. Je pense pas que je vais faire une nouvelle mission. Ah, c'était court, je suis vraiment désolé. C'est un peu été le bordel. Bon, vous avez compris le... Voilà quoi, comment ça marchait. Hein. Voilà, il y a des objectifs, faut les accomplir. Et, bon, au bout d'un moment, il y a le flic qui va arriver. Enfin, je sais pas si vous démarrez bien, ils peuvent ne pas venir. Enfin bon. Après, je sais pas du tout. Voilà. Donc voilà la planque. Donc c'est magnifique, n'est-ce pas? Bon, là, à l'étage, j'ai pas grand-chose. Faut aller au sous-sol. Hein. Donc, alors voilà. Donc la planque, c'est là où on va quand, pour tester nos armes, tester les outils, tout ça. Donc là, on a les caméras. Bon, ça, on s'en fout un peu. Sinon, il se passera jamais rien, je pense. Ah là, oui, c'est Crimnet, en fait, c'est le... C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, mais pour voilà, pour trouver les braquages, mais en ligne, voilà. Donc là, c'est pour tester ouvrir les portes, parce qu'on peut les ouvrir de différents moyens. Donc soit en accrochant comme ceci, voilà, oui, bon, c'est un peu long, mais bon. Après, quand on débloque les compétences, on peut y aller plus vite, bien sûr, hein. Donc voilà,
Sinon là on peut tirer, ouais on peut tirer dessus. Putain, le flingue est pas mal. J'ai pris un beau flingue, je suis content. Et là on peut faire quoi là? Oui donc là on est obligé d'utiliser soit la perceuse, donc racheter je peux pas, ou soit utiliser le C4, bon j'ai pas de C4. Ou soit, ouais, on peut utiliser l'IMF aussi, tiens, mais je n'ai pas l'IMF. Bon là on peut utiliser la carte qui est sur la table je crois, voilà. Donc je vais vous montrer quand même la perceuse, c'est rigolo. Donc voilà. C'est un peu longué. Hein. Sinon voilà, j'utilise la carte et ça ouvre. Et là on peut faire, bah ouais, la crocheter encore. On peut tirer dessus, c'est quand même plus sympa de tirer dessus. Hein. Bon, voilà ensuite, oui ça c'est le compte offshore, je sais vraiment pas ce que c'est. En plus j'ai pas mal de fric dessus mais 300 000 $, je sais pas si je peux l'utiliser en fait, c'est un peu con. Si quelqu'un d'ailleurs le sait, dites-moi. Hein, parce que... Alors là on a le stand de tir avec... les armes qu'on a débloquées, donc là il y a les masques, mais bon, j'en ai pas. Il y en a pas. Et puis voilà, je tombe de tir. Hein. Voilà. Voilà. Ah. Voilà, bon, on a compris. Et puis là, vous avez comment ouvrir les coffres. Donc, c'est la même chose qu'un peu les, que les portes, mais bon. Donc, vous pouvez soit utiliser C4 ou la perceuse. Donc là aussi la perceuse, bon c'est mieux la perceuse hein. Enfin au début vous aurez que la perceuse, le C4 je sais pas comment on débloque et le machin là je sais pas ce que c'est. Donc voilà c'est un peu la même chose, vous mettez la perceuse. Voilà ça, 300 secondes donc c'est un peu long hein. Quand vous devez tenir c'est un peu, c'est face à des vagues d'ennemis, enfin des vagues de flics. C'est un peu long et un peu chiant mais bon, vous allez voir, vous allez bien. Vous aimez. Donc voilà j'espère que, en fait j'ai l'impression d'expliquer plus que de découvrir, c'est un peu bizarre mais bon. Ah, je vous dis, je sais vraiment pas tout. Je sais même pas comme les otages peuvent se faire avec et tout. Bon, bref, voilà. Après, c'est un jeu avec plein de. Comment dire, plein de choix et tout. Bon, bon. Oh, voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Je sais pas si je vais. Moi, ouais, je peux peut-être ouais, vous montrer le Crimnet. Donc, c'est la même chose, mais. Ok. Donc voilà, vous rejoignez une partie, et voilà. Et vous commencez le braquage. Donc voilà. Ça c'est en ligne, hein, voilà. Vous voyez quand même pas la différence avec le mode offline. Alors voilà, bon, ouais, j'ai des trucs que je sais pas, ouais, le système de jour, ça, je sais même pas ce que c'est. Bon bref. Je vais arrêter de poser des questions, c'est un peu chiant. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés pour jouer avec moi, envoyez-moi un MP sur YouTube, ou voilà, n'importe d'autre, ce que vous voulez, ou... Vous jetez moi sur Steam ou Skype, voilà. Donc, je pense que je ferai d'autres vidéos dessus si je trouve des gens pour jouer en ligne ou voilà, n'importe. Donc, justement, on se retrouve pour d'autres vidéos.